Alors, on se retrouve pour le récapitulatif de fin du pillage et j'entends des perroquets soupirer, je crois. Vous en faites du bruit? Là, ça, c'est des perroquets qui soupirent. Mais il faut un bruit monstrueux. Alors, on a nommé certains. Poquita et Poquito, moi j'ai nommé Rocco, Rocchino et Papago. Papago, c'est perroquet en espéranto. On va plutôt conclure, donc. Surtout les coffres, j'ai pas ramené énormément de stuff, il y a du stuff là et du stuff là. On va commencer par les trucs les moins intéressants. Donc j'ai eu beaucoup de bois. On va zapper les trucs vraiment pas intéressants. J'ai eu des émeraudes, sachant que les PNJ, les villageois, les villageois, non, les zombies villageois respawn, ça devient intéressant. On a eu des étiquettes, ça c'est pas mal. Éponge, c'est pas mal. Un tout petit peu d'or, d'ailleurs je vais le ranger directement dans mes coffres. Des boules de magma, du bois, beaucoup de bois, ça va être utile. Enfin beaucoup. Dans une moindre mesure. Et de ce côté-là, on a eu beaucoup de blé, des pousses d'arbres, un peu plus d'or, je prends. Encore des blocs de slime. Ça nous fait vraiment beaucoup de blocs de slime, par contre, ça. On va les déstacker pour voir. Waouh! C'est vraiment cool. On va les restacker quand même. Ça prendra moins de place. Et on va checker, on va checker, on va checker. Les armures. Donc on a eu une pioche Ephis 1 complètement cassée. Ephis 2 qui s'appelle Wikopek. Je sais pas quelle langue il parlait. Shekira. Diams P2 pas trop cassé. Topatologic Xni. Ils ont renommé plein de trucs, même des trucs nuls. Alors ça doit être ma pelle. Ils avaient pas de table d'enchant de 30 niveaux. Chute amortie 2, c'est pas mal. Efficacité 1. P2. Proche prot. P2 en arc, c'est pas mal aussi. Bon, il y avait un peu de diams. Les popos, c'est à moi, bien sûr. Ne vous y trompez pas, ils avaient pas de popos. Et le reste, ça a peu de valeur. Bon, c'est déjà ça de gagner. On a gagné une enclume, on va la poser tout de suite. Là où elle était avant, qu'on la casse. Maintenant, c'est remis. Donc, comme vous avez vu, on a aussi obtenu plein de perroquets autour de chez eux. Voilà, c'était un bon petit pillage sympathique. J'espère que ça vous aura plu. Histoire qu'on fasse autre chose que de l'avancement de la base dans cet épisode. Et on se retrouve pour la suite prochainement. Probablement au pire la semaine qui vient. Ah si, j'ai oublié les deux membres de la faction qu'on a pillé. Ils ont quitté. C'est Wild. Ils sont plus que deux. Du coup, ils sont passés. Et ben, ils ont toujours pas mal de power, mais ils sont pas connectés. Et le chef a changé. Le chef même est parti de la faction. Donc, je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a créé une nouvelle faction. Faudra que j'aille voir. En tout cas, ils ont abandonné leur base. Je sais pas si il a juste dit, ok, ma faction a été détruite, je vais quitter le serveur ou des trucs comme ça. Je n'étais plus là. On n'a rien trouvé de très particulier là-bas. Par contre, on a utilisé les moutons. Ah oui, j'avais pas compté. On avait 48 blocs de fer, c'est pas mal. On a utilisé les moutons pour avoir de la laine. Perrault voulait de la laine, il va être content. Je vais lui mettre dans son coffre. Ce sera son cadeau. Cadeau d'anniversaire. Vous en avez pas marre de soupirer les copos, les copos copains? Les papagos? Oui, Perrault a eu l'occasion de faire son drapeau. Le drapeau du Québec, je ne sais pas exactement à quoi il ressemble en réalité. Il a précisé Canada au cas où on sache pas où est le Québec. Je sais que lui, il vit au Québec. J'avais mis un petit panneau. Si vous n'êtes pas de France, faites-nous d'autres jolis drapeaux. Eh ben, c'est chose faite. Merci à lui. J'espère que peut-être qu'on aura un drapeau belge de... Ah, son nom m'échappe. Notre lapin, Lucas. Oui, voilà. Et peut-être encore d'autres. J'aimerais avoir des Français de pays d'Afrique. Il doit y en avoir plein, mais je sais pas s'ils jouent à Minecraft beaucoup. Ou alors si jamais ils regardent Fuse en fait, parce qu'il y a beaucoup de Français qui regardent Fuse, sûrement plus que des francophones non français de France. Même si Perrault, il a bien dû avoir le serveur d'une façon ou d'une autre. Mais aussi un chat qui est caché, c'est mon chat. Qui s'appelle Chat Lily, je crois, tout simplement.